Esteban. Bonjour, ça va? Alors merci d'avoir accepté de participer à mon Nouméa à moi. Ça me fait très plaisir de te recevoir ici au Château Royal, parce que moi je suis complètement fan de toi. Merci. Vidéo sur YouTube, scène, chroniqueur télé, photographe, scénariste, producteur et lycéen. Comment tu arrives à faire tout ça tout d'abord? J'ai un super pouvoir au quotidien. C'est dur, c'est difficile, mais vu que c'est toutes mes passions, j'arrive à me bouger justement pour que ça soit good, quoi, et mon emploi du temps. Alors fin novembre, il y a eu notamment l'arène du rire. Comment tu as vécu ce moment? C'était un grand moment, j'imagine. Ah oui, c'était un grand moment. C'était vraiment ma première grande scène. J'ai fait des rencontres inoubliables et exceptionnelles de gens qui sont super. Et franchement, c'était vraiment une expérience qui m'a encore plus donné envie de continuer dans cette voie, quoi. Parce que tu étais entouré d'artistes, notamment venus de métropole, mm-hmm. comme Elie Moon. Ça ouais. fait quoi de se retrouver à ses côtés? C'est rigolo. C'est rigolo, mais en fait, la barrière, elle s'enlève vite. Parce qu'en fait, on le voit pas en tant que idole et fan. C'est plus collègue, en fait, parce qu'on va faire rire la soirée ensemble. On va gérer la soirée tous ensemble. Donc, il y a une... Une osmose entre vous? Ouais, ça, une osmose, une feeling qui s'est mis direct, quoi. Comment tu t'es retrouvé dans cette aventure de l'arène du rire? Eh bien, en fait, il y a un an, il y a eu un casting pour le stand-up du rire avec Josué Duplessis et Myriam du Gold Move. Ce casting, en fait, c'était pour justement, c'était une première édition d'un stand-up dans un bar de Nouméa. Et j'ai trouvé que ça a bien marché pour moi, cette scène. C'est ça qui m'a donné aussi envie de faire des vidéos. Et de fil en aiguille, en fait, il y a eu ce gros projet avec justement Myriam et puis Josué. Il y a eu ce gros projet qui est l'arène du rire. Et donc, vu que j'étais dans l'aventure depuis le début, ils m'ont pris direct, quoi. Alors justement, tu parlais des vidéos. Comment ça a commencé pour toi, l'aventure sur YouTube? En fait, ça a commencé en 2012. J'ai fait des petites vidéos comme ça, un peu comme les podcasters, etc. J'avais vraiment envie de faire pareil. J'ai arrêté ensuite par la suite. J'ai repris en 2015 avec Warren Le Gall. Pour notamment le collectif avec le collectif CVM, où je fais des vidéos justement avec mes potes, etc. Et après justement il y a eu ce casting pour le stand-up du rire, et donc j'ai commencé à faire les vidéos en solo, et c'est voilà comme ça que ça a commencé. Des vidéos en solo qui traitent des sujets du quotidien, finalement, de la Calédonie. Pour la jeunesse, etc. Quoi. Ouais. Et ça plaît, puisque tu as pas mal d'abonnés, ça marche bien pour toi sur YouTube? Ouais, ça marche bien. Plus sur Facebook que sur YouTube, mais sinon, ouais, ça... Parce que les gens ici sont plus à être sur Facebook, quoi, que sur YouTube. Quel retour tu as justement de tes potes au lycée? Comment ça se passe? Avec mes potes au lycée, c'est cool, parce que c'est avec eux que je fais les vidéos déjà. Et donc ouais, ça les amuse, etc. quoi. Donc c'est vraiment une bonne entente, etc. Et les autres camarades de classe qui sont pas forcément potes avec toi, proches de toi, ils viennent te voir, ils viennent te parler, ils viennent te poser des questions? Comment ça se passe au quotidien? Après, dans la classe, ouais, on est tous un petit peu amis. Après ouais, c'est dans le lycée, etc. Oui, il y a des gens qui viennent me voir, etc. et tout. Surtout en début d'année, en fait, vu qu'elle est nouveau, les secondes qui arrivent, c'est là en fait, ça te dit, ah, c'était mal. Et donc ouais, après, mais un mois plus tard, quoi, c'est... Ça fait quoi d'avoir ce succès comme ça au lycée? T'es un peu la star du lycée. Un succès, c'est plus... Enfin, c'est pas que... c'est pas essentiellement dans le lycée, quoi. C'est plus dans la rue, etc. Dans le lycée, c'est cool, parce qu'en fait, les gens, ils me voient tous les jours, donc c'est normal. Mais après, ouais, ce succès, entre guillemets, ça fait bizarre au début, mais après, en fait, c'est cool, on s'amuse avec, etc. quoi, c'est chouette. Ça va, c'est pas trop contraignant? Non, ça va, non. Alors, grâce pas à... agressé encore. Non. Grâce à ta chaîne YouTube, tu as aussi pu intégrer NC Première, où tu avais une chronique hebdomadaire en 2017. Ouais. Comment ça s'est passé là encore, cette rencontre? Alors en fait, je me rappelle qu'ils avaient fait un casting en janvier, ils avaient fait un casting justement pour faire à la base une chronique, mais c'était pas une chronique comme je l'ai fait. C'était genre une scène ouverte où chaque semaine il allait avoir un humoriste. Donc j'avais fait un casting avec plusieurs humoristes, etc. Et moi je n'avais pas fait ce casting, et en fait c'est à la suite de ma vidéo sur Car Sud, il y a ses premières qui m'a appelé justement pour dire viens faire le casting, etc. pour voir, ça m'a plu, donc je suis parti voir. Et ils se sont trouvés qu'ils ont bien aimé ma prestation, et donc ils ont directement annulé le concept de la scène ouverte pour justement me faire une chronique directement, quoi.
pour toi tout seul finalement. C'est ça, ouais. Toutes les semaines j'avais ma chronique, ouais, je parlais un peu de l'actualité locale. Au début c'était facile, mais en fait au bout d'un moment, en fait c'est... Comment dire, chaque semaine, plus le lycée, etc. C'était difficile, c'était pas un exercice d'écriture que j'étais pas à l'aise en fait là-dessus. Et donc cette année, du coup, je vais refaire une de ces premières. Avec une nouvelle chronique, j'ai réussi à faire négocier pour faire rentrer deux potes à moi, avec qui je fais des vidéos. Et ça va être genre un faux JT, etc. Donc on va être beaucoup plus à l'aise, vu qu'on se connaît, on va faire de l'impro, etc. Donc ça va être beaucoup plus cool que cette, l'année 2017. Donc une belle aventure encore sur une de ces premières. C'est en ça, 2018. Ouais, j'espère. En 2017, tu t'es lancé aussi en tant que photographe. D'où vient cette passion pour l'image en général? Alors c'était... C'était il y a 2 ans, ma mère m'avait offert mon appareil du coup pour faire mes vidéos. Et cet appareil, il se trouve que c'est un appareil photo et que du coup sa fonction principale c'est de faire des photos. Il fait des très belles photos et avec un pote Kevin Tran, on s'amusait un petit peu à avoir un petit concours entre nous deux, de qui allait faire les plus belles photos, etc. Et il s'est trouvé du coup qu'on a créé notre page chacun quoi. Et donc voilà, j'ai commencé à faire des photos, des gens sont venus, ah, tu fais des belles photos, machin, est-ce qu'il y a moyen de faire des... Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Du coup, tu préfères quoi, faire des photos ou des vidéos? Ah, faire des vidéos, vraiment faire des vidéos. La photo, c'est juste un truc comme ça à côté, quoi. C'est une passion. Une passion, voilà. Il y a eu aussi un prix, si je ne me trompe pas, au Festival du cinéma de La Foix. Parle-nous de ce projet. Alors, c'est 900 Street. C'était un prix, justement, c'était une subvention de 400 000 francs accordée par la province Sud, justement pour réaliser un court-métrage. Et il s'est trouvé que ce court-métrage n'est toujours pas réalisé, que la deadline elle arrive bientôt. Et donc voilà, il faudrait peut-être le commencer un peu. Tu trouves du temps. C'est ça, voilà. En parallèle de tout ça, tu as créé ta boîte de prod pour gérer tout ça, c'est ça? C'est ça, ouais, Dembéa Productions. En fait, c'est France Télévisions de Paris directement qui m'ont contacté pour une chronique pour les témoins d'outre-mer sur France O. Et il se trouvait en fait que je pouvais pas faire comme tous mes trucs à côté, c'est-à-dire être payé au black, quoi, parce que c'est France Télévisions, c'est machin. Donc ils m'ont demandé comme d'avoir au moins une patente ou alors avoir une boîte de production. Et donc j'ai décidé de créer une boîte de production, comme ça je fais passer tous mes trucs dessus. Quoi. Donc là t'as quel âge? 17 ans. Donc à 17 ans t'as ta boîte de prod, t'es, t'es chef d'entreprise finalement. C'est ça, ouais, je me considère pas du tout comme tel, mais... Tout ça légalement, ouais, c'est ça. Et le bac dans tout ça, alors en 2017, ça s'est passé comment? Non, le bac dans tout ça, on va pas se mentir, le bac, ouais, c'était pas ma priorité absolue, mais j'ai quand même réussi mon bac de français, quoi. Donc c'est ce qui compte. Et justement, on va aller voir, on va aller faire un tour dans ton lycée, c'est ça? C'est ça, ouais, au lycée La Pérouse. Ce lycée, c'est quand même là où je passe des super années, super moments, etc. En général, les années lycée, c'est les meilleures. Ouais. C'est vrai que c'est les meilleures. On fait plein de nouvelles rencontres, etc. Moi, j'ai la chance d'avoir mes deux meilleurs potes qui sont ici. Donc, que demander de plus. Raconte-moi, t'es en quelle classe et pourquoi avoir choisi cette filière? Donc là, je suis en littéraire. Donc là, je rentre en terminale littéraire. Je choisis cette filière justement pour l'option audiovisuelle. Et que je ne me voyais pas du tout faire de la S et je ne voyais pas du tout faire de la ES. Donc la L, c'est le bon chemin que j'ai pris pour moi. Au lycée, tu en as fait une vidéo, je crois, sur YouTube, tu parles de ton lycée justement. Ouais, je parle des plans du lab. Ouais. J'ai bien parlé un peu de ces énergumènes qu'on retrouve au lycée La Pérouse. C'est un peu l'autodérision aussi, parce que je suis aussi blanc et je suis aussi au lab. Mais j'aime bien un petit peu, vu que je fais un quartier Ramona en fait. La mentalité elle a beaucoup changé entre le quartier Ramona, un petit collège d'un quartier de Dembéa jusqu'au lycée, enfin, au lycée La Pérouse, des quartiers sud de Nouméa. Donc c'est pour ça que j'aime bien un peu me moquer de la mentalité qui est ici. Alors juste
justement, les études pour toi, ce sera quoi la suite? Il y a la terminale, mais après, tu te vois quoi? Déjà passer le bac, parce qu'il faut le bac. Et puis ensuite, partir à Paris pour faire les cafés théâtres, etc. Quoi, comme le Panama de café, etc. C'est vraiment te lancer sur scène. Lancer sur scène directement. Direct. Service du lycée La Pérouse. Alors on est là parce que c'est ici qu'avec mes potes on va matin, midi et soir. C'est ici que naissent nos idées sur la route entre le lycée La Pérouse et la station, que naissent nos idées, etc. Qu'on fait un brainstorming. Il y a pas mal de délire ici, donc voilà. C'est là que naissent finalement les vidéos, voilà, les sujets, c'est les thèmes. C'est dans cette station que naissent ces deux paquets de chips que naissent les idées. C'est un lieu un peu insolite pour retrouver des idées. C'est ça, oui, il y a partout des idées en fait, d'avoir le pétrole. On achète du pétrole, on achète du pétrole, on achète du pétrole. Alors voilà, c'est complètement idiot, complètement puéril comme gimmick, mais c'est ce qui nous a fait rire depuis le début de l'année 2017, donc on continue à chaque fois. Il n'y a pas un jour où on ne fait pas ça. C'est finalement un porte-bonheur presque. C'est un porte-bonheur, ouais, même. Il y a même une fois où je me suis retrouvé, j'étais tout seul, mais des potes n'étaient pas là, et je l'ai fait tout seul parce que c'est genre les réflexes maintenant des psychopathes, mais ça montre bien ton univers en tout cas finalement. C'est ça, voilà, les essuie-glaces, etc. Et ça montre bien aussi ton humour. C'est ça, ouais, il y a n'importe quoi, il y a tout à rigoler en fait ici. On achète du pétrole. Nathalie, délé, rapide, pas délé, pas de peau, que délé, Nathalie, délé, ah. C'est avec les deux que du coup je vais bosser pour Nouvelle Calédonie Première cette année. Et donc voilà, c'est ici qu'est né pas mal de. Le mercredi après-midi, c'est ici qu'est né pas mal d'idées, de vidéos, etc. Alors pour la petite anecdote pour Nathalie Délé, la chanson, à mercredi après-midi, on devait prendre du coup le TPE, du coup pour le bac, le lendemain. Et du coup ça fait qu'on a travaillé ici l'après-midi, on s'est dit bon, on va bosser cet après-midi pour réaliser ce TPE. Et il s'est trouvé en fait que Elliot a lancé une instrumentale. De moi seul, Nathalie. Et du coup, au lieu de faire le TPE, on a bossé toute l'après-midi sur la chanson. Et au final, le TPE, on l'a rendu bâclé le lendemain. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2018? Ce qu'on peut souhaiter pour 2018, c'est. Moi, en tout cas, je vais toujours continuer à faire ce que j'aime, c'est-à-dire faire rire les gens. Et du moment que moi, que j'arrive à faire rire les gens, sur n'importe quel support, ça va. Une scène et vidéo. Scène, vidéo, court métrage, en street. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci au Château Royal pour l'accueil, merci à mon invité d'avoir accepté mon invitation. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si ça vous a plu, et puis vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien rater. À bientôt.